parler. Hey, j'espère une grosse, grosse annonce. Bon. T'es prêt? Avec mon petit skin casse-noisette là? Déjà, je requiffe. J'ai déjà vu 20 fois, mais je suis très, tellement fan de ce qu'ils font. C'est la hype, tout le temps. Ils sont partis encore une fois dans un trailer bizarre, gars. Hey, le pain d'épices, le petit pain d'épices, il est partout, gros. Non, mais si le. Il est 5 fois dans le pass de combat. Et regarde, il y a le petit cube. La grosse barbe. Oh, le lama, j'avais pas vu avec les ailes. Et regarde le cube là, dans le sapin. Oh oh oh. Ah, les bonhommes de neige, ils sont trop stylés. Non, mais je le veux grave, le bonhomme de neige. Allez, annonce. Annonce du lourd. Ça fait 3 heures, on est debout, on attend. Allez, fais-nous plaisir, mec. Ah, mais c'est Donald. Oui. Coucou, Donald. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Il est content qu'on l'aide à construire le jeu avec eux. Tu m'étonnes. Nous, on est content qu'ils écoutent. Yes. So season 7, as you just saw in the trailer, a big mysterious iceberg has crashed with the island, and it's brought with it airplanes and zip lines and a whole bunch of other surprises that players will be uncovering in the weeks to come. Ah, il explique un peu la saison 7, c'est ça, l'iceberg, les avions et tout. C'est ça. Il y a des choses qui sont à venir dans les semaines à venir. Is launching on December 13th, so next week. Fortnite Creative is a mode, a brand new mode, where everyone will be given their own private island. Where you can design your own games and build mode créatif que tu veux, ouais, voilà, c'est ça. T'approprier avec tes amis. We are all passionate game designers and we think everyone is a game designer and our goal is to let you build your own Fortnite. Now it's rough. Il explique qu'en fait leur but avec ce nouveau mode créatif, c'est qu'on peut chacun puisse créer son propre Fortnite en fait. Créer son propre mode de jeu, sa propre dimension du jeu, son propre level de jeu, avec ses propres règles. Ouais. C'est le but. Alors, c'est dans les prémices, mais c'est un de leurs désirs apparemment. And the map is kind of crowded and on the island, and we figured we needed to clear out a little space to make room for some stuff. So let's start. Ça y est, c'est ça? On y est? Apparemment. World première. Ah bah c'est ça! Regarde, regarde! C'est là où on était tout à l'heure, c'est là où on était tout à l'heure! What the f... Ok, ce bloc. Ah c'est stylé, mais je sais pas c'est quoi. Mais les gars... Ah mais tu te fous de ma gueule, on l'a déjà vu. Attends, attends. L'apparence du bloc, c'est un nouvel endroit où on va mettre les trucs les plus créatifs que vous pouviez faire. Ah ouais. D'accord, donc ce sera une zone où il y aura des nouvelles choses régulièrement créées par les joueurs, si j'ai bien compris. Ok. Les meilleures créations des joueurs en fait qui seront exposées là quoi. Ok, okay, y a plus de Risky Reels. Adieu Risky. Mais non. Creative mode, Donald, thanks so much for stopping by the Game Awards. We can't wait to see where you take Fortnite in the future. All right, so we've got much more Game Awards ahead. Right now, we've got a brand new look at Rage 2. Check out this. Du coup, ça y est, là, c'est dans le jeu. Donc les potes, comme vous avez pu le voir, Risky Reels a été supprimé pour laisser place au bloc. Avec Zeko, on va essayer de vous expliquer un peu à quoi ça consiste. Et Epic Games ont mis un petit message sur Twitter. Donc c'est l'heure de démontrer votre créativité, les îles les plus amusantes ou originales du mode créatif
seront mises à l'honneur dans le bloc sur la carte Battle Royale. Votre création fera-t-elle rêver le monde entier? Atteindrez-vous la gloire dans Fortnite? Donc honnêtement, je trouve le principe assez stylé, c'est pour mettre en avant les constructions, les structures les plus originales. Et du coup, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça peut vous plaire, et ce que vous pensez aussi de la destruction de Risky Reels. Ensuite, le bloc est une nouvelle fonctionnalité qui s'améliorera et évoluera avec le temps. Veuillez nous signaler tous les problèmes techniques que vous rencontrez, et nous les corrigerons. Donc ça aussi, Epic Games toujours à l'écoute, ça fait plaisir. Pour commencer, nous allons vous donner quelques directives afin de faciliter le processus d'envoi de vos candidatures. Voici ce que nous recherchons. Donc une zone de 25 carrés sur 25 située sur une section plate de votre île. Il est très important que vos créations rentrent le mieux possible dans le bloc. Faites en sorte que la mémoire consommée reste sous les 50 000. L'efficacité est aussi importante que la créativité. Donc vous pouvez faire des trucs design ou alors peut-être aussi des trucs assez stylés à faire comme des parcours. L'emplacement des coffres, du butin au sol, des véhicules sera déterminé par Epic Games, inutile de les intégrer vous-même. Ensuite, on a aussi du coup un autre petit règlement, le code de conduite du mode créatif. On va pas y aller, comme généralement c'est les codes de conduite, il y a juste à pas mettre de trucs racistes, pas de croix nazie, pas de bite à gauche à droite. Faites vraiment des trucs pop et du coup vous pourrez être sélectionné. Nous vous encourageons à partager vos créations avec vos amis sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clé Fortnite Block Party. Nous le consulterons attentivement afin de désigner des vainqueurs ou des candidats potentiels. Franchement, moi je trouve ça assez stylé du coup dans le coin de la map. J'ai plus... Est-ce qu'on va appeler ça encore Risky Reels du coup? Comment on va appeler cet endroit là? Le bloc? Yes, le bloc complet. Donc du coup, au bloc maintenant, je sais pas, tous les semaines, tous les mois, on aura peut-être une construction différente à aller visiter. Peut-être un mini-jeu, un parcours assez what the fuck comme un Ninja Warrior à effectuer. Franchement, je trouve ça assez cool. Du coup, Zeko, t'as un petit truc à dire là-dessus? Yes, moi, clairement, à ma voix, je suis fatigué, mais vraiment hypé, on a attendu on pas mal de l'heure. Temps. Et, on précise l'heure. Il est actuellement 5h54, les amis, et on est devant depuis 2h30, devant le Game Over. Mais... On a attendu cette annonce et pff, on a vu tous les jeux, toutes les récompenses, tout. On a tout vu, on s'est régalé, c'était un vrai bonheur. Et Epic Games nous régale dans le sens où on n'attendait vraiment pas ça, encore moins le jour du lancement de la nouvelle saison. Ouais. Là, clairement, ils mettent en avant encore plus les créateurs de contenu et les joueurs de Fortnite. C'est une façon de récompenser ça et on va voir la créativité des gens. J'ai vraiment très hâte de voir ce que vont faire les gens, quelle approche ils vont avoir de la créativité en mode... Est-ce qu'ils vont faire des trucs en mode super tryhard, c'est-à-dire... C'est un peu genre run and gun un peu à l'époque. Justement, je te coupe, mais t'as vu tout à l'heure ce que je t'ai envoyé? Oh, allez, en l'espace de quelques heures, l'autre, il avait déjà fait la map de Nocturne. Exactement. Pour les 1v1, t'es là, what the fuck? Vraiment, et certains vont faire des choses ultra fun, d'autres trucs inattendus. J'ai vraiment hâte de voir, et d'ailleurs, les gars, vraiment les petits potes sur le groupe Facebook qu'il y a dans la description, n'hésitez pas à partager un maximum de vidéos ou de photos de vos créations que vous allez soumettre pour le bloc. On a vraiment hâte avec l'équipe de voir ça, parce que croyez pas, on vous lit, on kiffe ce que vous postez, les vidéos, les photos, toutes les remarques que vous faites, même si toute la modération ne répond pas à chacun de vos posts, on vous lit les gars, vraiment. Donc faites-nous plaisir et partagez un maximum de contenu par rapport au bloc sur le groupe Facebook s'il vous plaît. Nickel, comme ça, petite transition. Moi je pense aussi faire sur la chaîne principale du coup un petit style de top 10 de vos créations. Je passerai sur vos îles du coup avec Zeko, Raj, Vangvang, Rachid. On fera un top 10 des plus belles îles et le premier du coup gagnera un lot, soit des cartes pour des V-Bucks, des skins, tout ce que vous voulez. Et voilà les potes, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo, donc honnêtement on s'attendait pas à ce genre d'annonce. Au début on était parti plutôt pour... On était quand même parti assez loin avec Zeko, on pensait à une annonce pour une vue à la première personne. Donc on était aussi parti, comme je vous l'ai dit, assez loin. Là, c'est un truc complètement différent. En même temps, ils ont envie de mettre en avant le mode créatif qui vient de sortir et qui promet d'être assez lourd. Et au moins, si les gens ont l'espoir de voir leur création devant les yeux de tout le monde, en pleine carte du mode Battle Royale, il y a pas mal de personnes qui vont aller en mode création, du coup, mode créatif, pour aller faire des dingueries. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, partagez l'info à vos potes pour qu'ils puissent voir le trailer, la disparition du coup de Risky Reels, quelque chose quand même qui est assez énorme. Nous on va vous laisser là-dessus, je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo assez spéciale d'un secret qui va arriver pendant la saison 7. C'est la vidéo qui devait arriver normalement ce matin, mais j'ai dû décaler avec cette info qui était quand même assez intéressante. Donc je vous dis à tout à l'heure, allez ciao tout le monde.